Waouh, Ellie, tu as vraiment plein de serre-têtes, ils sont trop beaux. Ça, on dirait le diable. C'est serre-tête du diable. Lui, il est un petit peu abîmé. Ah oui, il est un petit peu abîmé. On le recollera, mais ça, c'est un serre-tête de princesse. Et qu'est-ce que tu as? Oh, un serre-tête à petit pois vert. Oh, un serre-tête avec un papillon et un diamant. Ah oh, putain, toi, papa. Hein et toi, papa, oh, sur ta coup. Tête. Qu'est-ce qu'il y a sur ma... Oh, moi aussi, j'ai un serre-tête, j'avais pas vu. Oh, un serre-tête araignée d'Halloween. Coucou tout le monde. Allez, on le mettra pour Halloween. Ça va, Mamounette? Ça va et vous? Oui, ça va. Qu'est-ce qu'il y a, Ellie? Il est cassé? Non, il n'est pas cassé. Oh non! Oh non! Mince, il est cassé celui-là. Oh, il est cassé, t'as raison. Oh non! Eh, j'ai une idée. On va en faire un autre. Les petits copains et petites copines, restez bien sur cette chaîne, sur cette vidéo. Nous allons refabriquer un serre-tête. Après le générique? Ah oui, oui, remets-moi comme il faut que je lance le générique de manière adéquate et comme il faut. Allez, lancez-moi le générique. J'ai une caca boudin. J'ai une caca boudin. 1, 2, 3. Générique à boudin. Non, générique, générique. Caca générique. Et nous revoici les petits copains et les petites copines avec le Cléogun. Donc le Cléogun, on l'avait vu déjà dans une vidéo précédente. Vous pouvez fouiller dans nos vidéos, sinon regardez, je vous mets le lien là, là juste au-dessus de nous. Donc le Cléogun, il sert à faire des objets en 3D. C'est toi et après c'est moi, après c'est toi, après c'est moi. C'est un pistolet qui fait fondre un peu du plastique, comme du plastique, c'est ça? C'est ça. On a effectivement ce qu'il nous faut dans cette boîte, donc je vous explique vite fait. En fait, le Cléogun, si vous n'avez pas vu notre vidéo précédente, il sert à faire fondre de la colle, des bâtonnets de colle comme ça, qui ont différentes couleurs. J'ai du bleu, j'ai du noir, j'ai du jaune, j'ai plein de couleurs. Ah oui, là ça coule, t'as raison, ça c'est le trop plein. Donc en fait c'est un pistolet à colle et il permet de faire, fabriquer des choses en 3 dimensions, c'est top. Et donc une fois que c'est fabriqué, ça devient solide et on peut en faire ce qu'on veut. Donc nous on a eu une idée avec Ellie, on s'est dit que nous allions refaire un serre-tête parce que celui-là il est tout pété. Mm-hmm. Allez c'est parti. Alors il faut que vous fassiez le moule d'abord, c'est ça? Alors, on va faire le moule, tout à fait. Donc pour le moule, moi j'ai ce qu'il faut, vous allez voir, je vais le chercher. Voilà, j'ai de la pâte à modeler. Regardez-moi cette pâte à modeler là. Il y a quoi faire hein. Attends, je vais mettre ça là en attendant. Alors, voici la pâte à modeler. J'ai mis tout plat. On dirait une pizza, t'as raison. Ou une crêpe. Ou une crêpe. Ou une pizza. Bref, nous allons faire l'empreinte du serre-tête. Alors, on va prendre un joli serre-tête. On va pas prendre celui-là, on va prendre un qui est pas pété. Le tien? Ouais mais tiens, il a un nœud, ça va pas être facile. Non, on va prendre celui-là, regardez, il est tout simple. Nous allons faire une empreinte, mmh. Et ensuite on va l'enlever. Et après, avec le Cléogun, on va remplir le trou qu'on a fait de colle en fait. Allez, vas-y, appuie. Allez, on appuie. Alors regardez bien les petits copains et petites copines. On obtient... Alors attends, Ellie, attends. Voilà, je vais le faire. Voilà. Appuyez bien. On appuie bien. Voilà. Hop, on enfonce. Partout, partout. Partout. Donc voilà, là en fait ce qu'on fait c'est l'empreinte du serre-tête. Tu peux l'enlever. Alors on va l'enlever, attends je vais l'enlever très doucement. Oui, très doucement. Alors ce que je fais moi c'est que je vais faire comme ça, tu vois, pour être sûr que tout soit au même niveau. Alors, allez, vas-y ma puce, tu peux l'enlever. Ça va être dur. Hein. Doucement, doucement. Doucement, on avance doucement. Et voilà, regardez les petits copains et petites copines. Ouais, nous avons... Je ne veux pas trop parce que sinon. Ah, pardon. Donc voilà, nous avons fait un serre-tête, en fait une empreinte de serre-tête. Donc maintenant, on va prendre le Cléogun. Alors, le Cléogun. Est-ce que tu veux le faire ou je le fais? C'est un peu dur, je crois, pour toi. Hein. Non, je peux. Donc là, tu l'as mis à chauffer l'appareil. Voilà. À l'intérieur, la matière elle est devenue chaude, c'est-à-dire liquide, elle va sortir liquide. La preuve. Hop, on voit d'ailleurs que c'est solide. Bah voilà, on obtient une larme. Regardez, j'ai fait une larme. Voilà la petite larme de plastique. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Allez. Alors on y va, ma puce. Place à la création. Allez. Alors, ce qu'on va faire, tu la veux la larme? Tu sais quoi? Tu sais quoi? Mais j'ai une idée. Une fois qu'on l'aura fait, on va faire des petits motifs qu'on mettra dessus, qu'on collera dessus. Et donc, il sera tout décoré. Waouh, ça va être génial. Alors, tu sais ce qu'on va faire? On va le tourner comme ça pour que ton petit copain et nos petites copines voient bien ce qu'on fait. Alors, vas-y, ma puce. Allez, on y va. Alors, je vais t'aider parce que c'est un petit peu dur pour toi. Regardez les petits copains et copines. Je mets dans l'empreinte. Voilà. Je bourre de colle. Voilà.
Donc on commence avec du jaune et du blanc parce qu'Elie a mis une recharge jaune et blanche. Mm-hmm. Voilà. Et après j'ai mis une recharge dorée. Alors on verra bien quand est-ce qu'elle va arriver. Argentée, je crois. Argentée, plutôt. Tout à fait. Donc voilà, donc je continue, je remplis bien, vous voyez, voilà. Non. Joli pour aller tu vas vite quand même, non? Ah, ça va vite, hein. Tu vas jusqu'au fond? Je sais pas, on verra bien. Alors, je pense que ce serre-tête aura une allure un peu rustique, un peu brute. On va faire voilà. Un serre-tête de Cro-Magnon. Un serre-tête de Cro-Magnon. Voilà. Ah, voilà. Oh, le doré, il vient. Il vient. Il arrive le pailleté. Ah oui, le pailleté, hein, pas le maïté. Hein. Maïté, ça n'a rien à voir. Alors là, il faut que je mette autre chose. Je vais mettre du rouge, là. Là, je mets du rouge. Allez, vas-y, ma puce. Hop. Voilà. T'as mis du rouge? J'ai mis du rouge, parce que pour pousser, il faut toujours mettre une recharge supplémentaire. Donc là, le doré arrive, on le voit. Voilà. C'est de l'argenté. Hein. J'ai dit doré? J'aime bien dire doré. C'est argenté, t'as raison, ma mounette. Il me semble. Oui, t'as raison. Donc voilà. Ah, j'ai tout rempli. Après, il faudrait peut-être un peu lisser les bords. Ouais. Alors, regarde ce que je fais, ma mounette. C'est que je repasse une deuxième fois dessus. Oh là là, la maîtrise. Hein, n'est-ce pas? Je pourrais refaire les joints de la salle de bain, en fait. Tellement que je suis balèze. Puis ça fait joli, regarde. Ça fait argenté par-dessus. Oh. Oh. Et voilà, j'arrive au bout. Voilà. Donc là, on peut dire que nous avons refait notre serre-tête. Donc on va le laisser refroidir. Et une fois qu'il sera bien froid, qu'il aura bien pris en masse, eh ben on va le sortir. Pour le moment, on le laisse. On le démoulera. Oui, alors ça va assez vite. Hein. C'est histoire de quelques minutes, hein, je dirais. Hein. Voilà, je vais faire une petite retouche ici. Je vois qu'il en manque un peu. Voilà. Je suis perfectionniste un petit peu. Hein. Je pense que quand on va voir la tranche du truc, à mon avis, on va avoir la perfection. Oui, on va toucher la perfection. Oui. Alors, tu sais ce qu'on peut faire aussi, maman? Si c'est vraiment pas beau, on n'aura qu'à couper ça et le reglisser dedans, parce que ça, c'est du tissu, finalement. Non, mais le tissu, il est collé. Il est collé, tu crois? Ah, il est collé sur le plastique, hein, non, à mon avis. Il bouge, regarde, ma mienne. Non, mais ça va pas le faire. Ouais, t'as raison, ça prend pas. Puis en plus, comme on veut coller quelques petits motifs... On va décorer. Alors, on va le laisser, ma puce. Pendant ce temps, je vais te faire faire quelques petits motifs. Tu veux? Oui. Donc, on a des moules, des silicones, dans lesquels on va faire, ben voilà, on va mettre un peu de colle et puis on va faire quelques motifs. Je t'en prie, vas-y. Je vais faire un motaf. Allez, fais un motaf. Alors toi, ma puce, je te donne carrément le gun. Hop, tiens, vas-y. Allez, vas-y, fais-nous quelque chose. Alors là, tu vois, tu as... tu fais quoi? Tu as choisi de faire quoi? Une boule. Alors, elle fait une boule. Alors. Ok. Tu veux que je le passe, moi? Ou tu y arrives? Donc, c'est des petits moules en silicone, tout mou. Voilà. Et Ellie, eh ben, elle va insérer la matière à l'intérieur, et quand ce sera refroidi, on pourra démouler et on aura des petits éléments. Alors, je sais pas ce qu'elle nous a fait, une boule. Une boule, en fait, oui. Après. Moi, je te propose de faire, je sais pas, oui, une glace par exemple. Allez, je t'aide. On en a deux en forme de glace, des fruits, hein, et deux fruits. Oui, il y a des fruits. Alors, je voudrais rappeler que ce Cléogun, en fait, c'est Cléopâtre qui le fait. Et on vous mettra les liens en commentaire. En barre d'informations. Moi, j'aime bien dire en commentaire, mais c'est en barre d'infos. Pour décorer un petit serre-tête, des petits nœuds comme ceux-ci, là. C'est sympa, ces petits nœuds. Ah oui, viens, on fait un petit nœud. Ouais, ça sera mieux. Viens, on fait un petit nœud. Attention, fais voir, je vais t'aider, ma puce. Celui-là. Allez, on fait celui-là. Fais voir, je vais t'aider. Quoi? C'est une belle création. Quoi, c'est moche? Avec un petit coup de ciseau, on rabotera les bords. Oh la vache, c'est dur au-dessus des lits. Donc t'as débranché le pistolet? Ouais, je l'ai rebranché plutôt. Ah, rebranché, parce qu'il était plus assez chaud, c'est voilà. Ça? Voilà, il faut le rebrancher de temps en temps pour qu'il chauffe. Oh, qu'est-ce que t'as fait, Ellie? T'as fait une bêtise? Donc moi, je te propose de faire ce petit cône glacé là. Alors regardez bien, les petits copains et petites copines, je vous remontre. Voilà. Ah, tu voudras cette boule aussi? Oui. Bon, ah, c'est plus facile quand je suis pas au-dessus des lits. Hein, voilà, voilà. C'est plus exceptionnel hein, ce que tu arrives à faire. Pardon, qu'est-ce que tu dis, maman? Tu critiques mon travail? Non, j'ai entendu. Je sais. Voilà. Alors, tu remplis le moule à glace. Voilà. C'est sec, ça. Ça y est, c'est sec. Alors, si ça, c'est sec, ça veut dire que notre serre-tête doit être sec aussi. Alors, je vais le remplir, voilà. Pique-toi. Oh là là. Quoi, je fais des pâtés? Ça commence.
Voilà. Oui, je parle en espagnol quand il se passe des choses. Tu pas le connais. Cool. Voilà, donc là on va le laisser sécher. D'accord. Quoi? Bah c'est très bien. Ah, t'es pas prêt à fabriquer des fausses pièces en euros, hein? On ouais, est mal, hein? Ouais, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Donc Ellie, elle a déjà enlevé la petite boule là. Ça va? Vas-y. Alors, ah, mais c'est vraiment juste une boule à glace, quoi. Voilà, fait juste une boule à glace. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est pailleté, elle est sympa. Ok. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de démouler le serre-tête. Alors, j'espère qu'il sera assez souple pour pouvoir se mettre sur une tête. Ça, je sais pas. Allez, vas-y, ma puce. Oui. On démoule. Alors, regarde ce qu'on va faire. En plus, tu m'aides. Allez, on le pousse, regarde. Wow. Regarde ma mounette. Je vois. On attends, voit bien. Doucement, doucement, doucement. Et voilà le serre-tête. En fait, il est très mou. Il y a pas un peu de pâte à modeler dessus? Ouais, si, regarde. Attends, il faudrait l'enlever, ouais. On va le nettoyer un peu. On voit pas trop les vraies couleurs. C'est vrai, tu as raison, ma mounette. Donc je vire la pâte à modeler. Au revoir, pâte à modeler. Et regardez, il est magnifique ce serre-tête. je sais pas s'il va remplir sa fonction. Ouais, de... Il a l'air un peu mou, non, quand il même. Il est un peu mou, ouais. Mais bon, ça va le faire. Hein. Je vais me le mettre pour voir. Hein. Je vais te voir. Regarde ma puce, est-ce qu'il me va ce serre-tête? Non. Alors, attends, j'enlève. Non. Non. Tout ça. Mais je veux mettre des découvertes. Bon, on va mettre de la déco, t'as raison. Donc maintenant, on va coller notre déco. Alors, tu me montres un petit peu le serre-tête? Ah, il n'y a pas de voix, regarde. Ah, mais tu as déjà sorti ça, c'est très bien. Regarde ma mounette. Un petit peu le serre-tête, la tronche qu'il a. Ok, oh mon dieu. Regarde ma mounette. Oh, il est chouette, le petit nœud. C'est un nœud. Et là, on va démouler ma mounette. Il est chouette. Ouais, il est bicolore, il est rouge et argent pailleté, c'est super beau. Et là, ma mounette, on va décoller la glace. Vas-y, ma puce, décolle la glace. Wow. Ça s'en va comme dans du beurre. Wow. Ah, à l'envers. Et là, maintenant, pour assembler avec le serre-tête, vous mettez un petit point de colle, c'est ça? C'est ça, il suffit de coller. Alors, moi, je te propose, ma puce, de mettre le nœud devant, comme ça. Bah non, parce que dessus. Sur la tête ça passe pas. Dessus? Bah oui. Ok, dessus. J'en porte très peu des serre-têtes. Ah ouais, t'as pas l'habitude. Là? Allez, attends, on va le mettre là. Allez, alors je mets un point de colle. Tu le colles toi? Allez, vas-y, colle le nœud. Vas-y, allez, pose. Attends, je le fais pour toi maintenant. Ah, le point. Tu veux faire le point après? Ah, mais le point, oui, mais ce sera plus joli si on met le nœud comme ça. Ah, tu le veux où le point? Dis-moi. Là. Là, c'est un peu dedans. Il faut bien le mettre dessus, ma puce. Alors là, tiens, regarde là. Allez. Prends le point et tu le poses dessus. Hop, vas-y, pose dessus. Colle-le. Ouais, parfait. Après, donc là, tac. Tac, voilà. Et on colle une glace? Une glace, on la met là, la glace à côté. Elle est où la glace au fait? Elle est à côté des lits. Ah, bon, on va la coller là. Allez, on la colle là. Attention, je mets un point. Vas-y, tu peux la coller. Donc là, vous attendez un petit peu. Ça va sécher et ce sera voilà. Assemblé. Ah, parfait. Hop, moi j'appuie un peu. Alors regardez un petit peu le serre-tête. Franchement, il est sympa. Bon, il est original, quoi. Original, ce serre-tête. Maintenant, je vais mettre celui-là. Alors, on va en fabriquer d'autres. On vous reprend tout de suite après. C'est-à-dire qu'on va faire plusieurs moules. Et puis, une fois qu'on aura tout fait, on vous reprend pour le collage, pour la finalisation de ce magnifique serre-tête made in Ellie's Magic World. Okay. Allez, à tout de suite. Il est là. Eh bien, voilà, les petits copains, les petites copines. Nous avons fait... quelques petits motifs dans les moules. Alors là, je pense que c'est sec. On va voir. Est-ce que c'est froid? J'ai commencé par cela, je crois. Alors vas-y, ma puce, enlève-les. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Un ananas. Alors attends, Ellie, elle va à fond. Donc moi, j'ai fait un petit ananas. Voilà. Petit ananas. Sympa. Ellie, elle est en train de tout enlever à côté. Donc là, on a fait une glace. Alors il y a des bavures. Hein. Il faudra hop, les couper un petit peu comme ça. Hein, voilà. Ou un micro. On sait pas trop ce que ça ressemble. Je sais pas. Une glace. Une glace roux. C'est tout sec. J'ai fait aussi une fraise. Ouais. Petite fraise, voilà. Après, qu'est-ce que tu as, ma puce, dans tes mains? Oh, une glace. Une glace avec deux couleurs, regardez. Et après. Elle est grignotée. Elle est grignotée, là, regardez. Miam. Une glace de Noël, ouais. En plus, c'est bien des couleurs de Noël, ça, le vert et le rouge, hein. Voilà, une petite glace. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre aussi, ma puce? Alors ça, on a fait une crotte, hein. Ça, c'est pas beau du tout, je sais pas ce que c'est. Ben. Et puis,
Ah oui, on a fait aussi une glace comme ça, un peu glace italienne. Est-ce que tu le vois, maman? Ouais. C'est bien? Les voilà. Crochets. Donc maintenant, oui, ma puce, on va les coller. Allez, collez-moi tout ça sur le serre-tête. Sur le serre-tête. Alors, fais voir. C'est toi qui fais les points ou c'est moi qui... Toi, tu les colles. Toi, tu les colles, tu les mets dessus? Allez, d'accord, c'est parti. Et toi, et c'est toi qui les mets dessus? Bah si tu veux, alors je t'aide. Alors regardez bien les petits copains et petites copines. Non, c'est moi. Appuie, vas-y. Vas-y, ma puce, appuie. Doucement, doucement. Oh, ça en a mis 3 tonnes. Alors les petits copains, je vais vite mettre ça là-dessus pendant que c'est encore chaud. Ouais, allez Ellie, tu vas coller les prochains? Allez. Un petit ananas là, ça va être magnifique. De quel côté est-ce qu'on le met? Alors l'ananas, on le met là. Allez, on le met là. Allez, attrape-le. Allez, vas-y. Il est... Là, vite. Allez, mets-le vite avant que ça refroidisse. Voilà. Ouais. Très bien. Fais-moi voir ça. Il est à l'envers, c'est pas grave. On s'en fiche, c'est chouette. Après, on en met un autre ici. Allez, vas-y. Mets la fraise. Vas-y, mets la fraise. Oh, on se dépêche. Petite boule. Dépêche-toi, ma puce, avant que ça refroidisse. Voilà. Hop, j'appuie après un petit peu. Fille. Après, on met ça. Alors, on le met où? On le met là? Non, là. Bah faut le mettre ici en fait parce que sinon on après pas de place, mon chat. Allez vas-y mets vite quelque chose. Vite 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 vite. Bon je mets pour toi parce que là. T'as. Mais oui mais t'es un petit peu lente ma puce après ça va refroidir et on pourra plus couler. Couler mon chat. Allez mets ta fraise là si tu veux mets ta fraise. Ramène ta fraise. Allez vas-y. Hop elle est à l'envers aussi je la retourne. Hop là voilà. Et il nous en reste une. Alors. Alors là. Allez, on va le coller ici. Alors là, le dernier, c'est une glace, c'est ça? Ouais, c'est une glace, c'est un sorbet, c'est quoi? Une glace, une boule? Allez, tu choisis bien ton endroit. Là, ça serait mieux, moi, je pense. Tu le veux où? Là? Bon, elle le veut là. Allez, on le colle là. Donc, je mets un petit point de colle. Sinon... Allez, vas-y, ma puce. Et bim! Voilà, bim! On appuie. Je le remets juste à l'endroit. Je veux mettre ça. Et voilà! Tu veux mettre quoi? Tu veux mettre ça? Bon, Ellie, insiste pour mettre sa crotte. Alors, on va mettre la petite crotte. Je sais pas ce que ça représente, mais elle aime trop. Tu veux le mettre là à côté? Un mini point de colle alors. Mini point de colle. Hop, allez, vas-y, mets ta crotte. Attention à tes doigts. Allez, vas-y. C'est chaud. Voilà, ça va, c'est pas très chaud en fait, maman. Hein. Quand même. C'est adapté aux enfants hein, quand même. Donc voilà, on a fait, les petits copains et petites copines, un serre-tête avec des fils. Alors, c'est un modèle unique. Ah, c'est un modèle unique. C'est le modèle Ellie's Magic World. Voilà. On en fera un autre hors vidéo, mon cœur. Bon, on va en faire un autre. Tu veux l'essayer, celui-là, ou tu veux que je le mette, moi? Je veux l'essayer. Tu veux l'essayer? Alors, attends, on va enlever celui-là. C'est moi qui le mets. Elle a raison. Bon, prends pas de risque. Donc, je mets le serre-tête made in Ellie's Magic World. Allez, alors, regardez bien. Yeah. Je sais que c'est pas mal, dis donc. Yeah. Très couleur, très Noël, c'est glamour. C'est maman qui le met, maman, on va pas la voir, elle est derrière la vidéo. Fabriqué en France. Made in France. Mmh. Alors, c'est magnifique. Hein, chaque modèle est unique. Objet de convoitise tout extraordinaire. Ellie, elle veut trop te le donner, maman. Ouais. Attends, on va l'essayer sur toi, fais voir. Hey. Regarde-moi, mon chat. Regarde la tête d'Ellie, dis donc de chien, qu'est-ce qu'ils m'ont mis sur la tête? Allez, papa a remis le serre-tête, le magnifique serre-tête. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 54, 43. Wow, elle s'est bien comptée, Ellie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'en ai 11? Je sais pas, mais en tout cas, on a beaucoup. Et là, on voit quand tu le mets comme ça qu'il est pas tellement droit le serre-tête. Mais là, ça va mieux. Là. C'est baba cool. Années 60. 7, 8, 9. Donc, on vous met tous les liens en barre d'information pour retrouver le Cléogun. Donc, Cléogun, ce petit pistolet là qui fonctionne super bien. Ouais. On peut créer plein de petits objets. Avec la colle, on a de la colle mat. Donc, c'est des couleurs unies. On a de la colle pailletée. C'est super. Et puis voilà, on vous met tout ça en barre d'infos et surtout amusez-vous bien, on espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé notre petit serre-tête création maison, dites-le nous en commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Moi j'ai pas rien d'autre à ajouter, t'as quelque chose à ajouter papa? Non, absolument rien, à part que j'adore ce serre-tête et qu'on va en faire d'autres. Mmh. Voilà, les petits copains et petites copines, on fait de gros bisous. Soyez sages, likez, partagez, commentez. Dites-nous si vous avez aimé cette création. Voilà, et puis ben, à bientôt sur Ellie's Magic World. Et gros bisous. À bientôt.